J'arrive, Frisk. Ah, vous voilà. Je vous cherchais sur les chantiers navals. Au lieu de ça, j'ai dû traîner avec un groupe d'ingénieurs. Ils m'ont dit qu'un convoi entier de nouveaux ingénieurs avait été intercepté par l'Empire. Aucun survivant. Tout porte à croire qu'il y a une taupe sur Ostian Prime. Et qu'elle a tout raconté. Comme vous pouvez l'imaginer, tout le monde a peur sur les chantiers navals. J'ai une partie de Balzac prévue avec eux plus tard, pour leur remonter le moral. On peut bien les aider, non? Mais entre nous, quelque chose se prépare. Quelque chose de plus important que les ingénieurs disparus. Ardo ne parle pas et le patron est resté enfermé dans la salle de briefing toute la journée. Je pense qu'il nous l'aurait dit si ce n'était qu'un problème de disparition d'ingénieurs. Non, il y a autre chose. Je parie sur une affaire à terminer. Comme un sombre secret laissé derrière lui quand il a abandonné l'Empire. Ou pas. Qu'est-ce que j'en sais? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui ne peut pas résoudre avec un vaisseau de combat géant. Pourquoi n'iriez-vous pas dans la salle de briefing? Le boss pourrait peut-être vous en dire plus. Je ne demande que ça, Frisquin, au lieu de balancer des rumeurs complètement infondées et de me retenir. Vous avez raison, Lyndon. Mes contacts ont confirmé vos doutes. C'est elle. Ça ne pouvait être que Teresa. Je le savais, toutes ses attaques portent sa marque. On connaît son style. Elle a attaqué Ostian Prime et le convoi d'ingénieurs pour une seule raison. Elle cherche le projet Starhawk. C'est pourquoi j'ai déjà pris des mesures pour l'arrêter. Avant qu'elle ne trouve les chantiers navals de Nadiri. Avant d'avoir d'autres blessés. Lyndon. Qu'avez-vous fait? Du calme, Ardo. J'ai simplement envoyé un message à Teresa. Elle ne pourra pas l'ignorer. Une ancienne protégée, Teresa Kirill, dirige l'Empire à la recherche du projet Starhawk. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas détruit. Donc, j'ai pensé à un plan. J'ai envoyé un message qui, on le sait, a été intercepté par un poste d'écoute impérial caché près des Célestes. Quel était le message? Un appât pour Teresa. Et maintenant que le poste impérial a rempli son objectif, nous sommes prêts pour la phase 2. Si nous détruisons ce poste d'écoute, Teresa pensera que nous avons quelque chose à cacher et suivra ce message à la lettre. Vanguard, prenez ces Y-Wings lourdement armés, allez à ce poste sur SLS et bombardez-le. Une corvette vous rejoindra pour attirer les tirs impériaux. Gunny vous aidera et ravitaillera nos bombardiers. Voici vos cibles. Nous avons identifié les récepteurs le long de la coque comme des points faibles. Détruisez-les tous. Détruisez aussi les systèmes de régulation thermique le long de la tranchée extérieure et tout ce qui se trouve au sommet du poste d'écoute. Si vous réussissez, nous priverons l'Empire d'un atout de valeur. Et Teresa tombera en plein dans notre piège. Très bien. On peut discuter, Lyndon. Teresa Kirill était ma commandante en second à Port Fostar. Elle était ma protégée. Elle est passée d'orpheline des rues de Coruscant à capitaine de son propre destroyer stellaire. L'Empire lui a tout donné, et elle fera tout pour le défendre. C'est pour cela que je tais certains détails. Avec Teresa dans la partie, toute fuite est un risque. Faites-moi confiance, un peu plus longtemps. Allez au hangar, Zerelda a dû préparer votre vaisseau. Ah, Grace. Je dois dire que le plan du commandant est intelligent. Tous ses secrets et subterfuges, c'est presque impérial. Je sais que la Nouvelle République lutte pour être meilleure que l'Empire. Mais il faut reconnaître que ces tactiques sont efficaces. Sans aller jusqu'à les adopter, évidemment. Mais c'est la guerre. Il faut parfois savoir penser comme son ennemi pour le battre. Nous avons de la chance. Le commandant utilise son intelligence tactique en notre faveur. Concentrons-nous sur la mission. Ok, ça me va. Thank you.
Alors, B-Wing. Les Blackwings se sont conçus pour transporter des bombes et d'autres puissants explosifs. Ça les ralentit, mais ils sont efficaces face aux cibles de grande taille et aux vaisseaux amiraux. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça a des cadences de tir, je dirais celle par défaut. Missile Goliath. Explose puissamment. Donc ça, ça va être le secondaire gauche et secondaire droit, c'est bombe à proton. Donc j'ai missile et bombe à proton. Quand le vaisseau appuie vite sur la touche pour larguer des bombes en dessous de vous. Inflige de très lourds dégâts, mais vous devez être proche. Ah oui, mais c'est ça qui m'avait fait tiquer dans une scène de Star Wars, je sais plus lequel, le 7 ou le 8, où on voit un bombardement dans l'espace, mais comme s'il y avait de la gravité. C'était assez curieux. Je crois qu'ils ont gardé ça, en fait, ouais, comme postulat. Ça doit dater des premiers, peut-être. Ah, si vous êtes expert dans les commentaires, vous me le direz. Contre-mesure. Bon, allez, ok, c'est bon. Parti. Wow. Ici l'escadron Vanguard, nous approchons du poste d'écoute. Excellent. À votre arrivée, vous devriez pouvoir entendre des conversations impériales. Vous remercierez Ardo et son réseau espion plus tard. Formons les rangs avec notre corvette, ça fera des interférences pendant l'affrontement. Où vous êtes? Suivre la corvette. Ce poste d'écoute est au milieu de nulle part. Comment le chef a-t-il fait pour trouver cet endroit? Il a envoyé un message en espérant que l'Empire l'intercepterait et nous révélerait l'emplacement de l'avant-poste. Et ils ont mordu à l'hameçon. C'était pas gagné. Ils pouvaient pas savoir que ça fonctionnerait. À moins que son message ait été tellement alléchant que l'Empire n'ait pas eu d'autre choix que de l'intercepter. Qu'est-ce qui pourrait être aussi tentant? C'est ça le truc. Javes refuse de nous le dire. C'est une graine qui germera et se transformera en piège. Concentrons-nous sur la mission, on s'occupera des détails du piège plus tard. Oh la vache, le décor est superbe. Superbe ici. Puis ça donne beaucoup de points de repère, ça change des autres missions. Oh la vache! Vous croyez que l'Empire a construit ce poste d'écoute pour trouver le Starhawk? Celui-ci, peut-être. Mais ce n'est pas le seul poste d'écoute à espionner la galaxie. Eh ben, ils ont vraiment l'air prêts à tout pour nous trouver. Je parie que l'Empire ne supporte pas qu'on construise un nouveau vaisseau à partir de ces anciennes pièces. Voilà notre poste d'écoute. Je brouillerai les capteurs impériaux pendant l'approche. J'adore ça, ils ne verront jamais arriver. Voilà, on est prêts, hein. Faisons-leur regretter d'avoir écouté la Nouvelle République. Et là, comme par magie, les capteurs impériaux ne peuvent plus nous voir. Ah bon? Suivez-moi à 5, on va diriger le bombardement. Grace et moi, on s'occupe des défenses de la station et des patrouilles de chasseurs. On y est. 5, donnez tout ce que vous avez. Ok. Vous y êtes presque. Bombe. Larguez les bombes. Alors, c'est quoi? C'est clic droit. Clic droit, n'importe. RB, ouais, c'est ça. C'est bon, j'ai fait. Bon boulot, Zach. Quoi? C'est un raid. Alertez les bonnes bouteilles. Ah, ça y est. Il y a un raid. Allez. Bien joué, quel talent. Allez, c'est parti. Maintenant, bombardez les autres récepteurs. J'y vais. Activez le système de transmission. On doit appeler les renforts. Allez. Détruisez ces paraboles. Faut contourner. Pour qu'ils puissent lancer cet appel de détresse. Où ça? Attendez, il n'y a pas d'autres... L'Empire ne pourra plus appeler Là. Ils sont là. Je vais tous les bombarder déjà. L'ennemi m'a touché.
Ah, c'est là, c'est... Non. Mais il est où? Ah, il est là. Vite, 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 vite. Oh là là, c'est loin, il y a de la distance. C'est bon, c'est bon. J'y suis. Allez. Là. Allez, 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 allez. C'est combien? 4? Ok. On est à combien là? Les récepteurs, ils sont où les autres? Ils sont où? Ils sont où? Attendez. Ils sont où? Ils peuvent pas être en dessous? Non, ils sont tous en dessous. Allez, oula. Ah non, les récepteurs. Ok, ok, ok. Alors. J'ai rien d'autre pour tirer. C'est pas grave. Allez, je vais me le faire vite. Allez, allez, allez. C'est bon, c'est bon, ça va le faire. Si je reste en hauteur. Déjà détruite. Une autre. Là. Parfait, parfait. Ok. On booste. Et celle-là. Attention. C'est bon. Allez, ça passe. Oh la vache, je suis prêt. Ça passe. Qu'est-ce qui reste? C'est bon, on a tout eu. On bombe. Bombe, en bas. Vitesse. Allez, c'est bon. Oh là là, vite, 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 vite. Ouais. Par contre, ils sont où les autres? Là-bas. Ok. Très bien. On va repasser par au-dessus. On bombarde. C'est bon, c'est là. Allez, ça va. Qu'est-ce qu'il faut en protection? Allez. On bombarde. Il est où? Il est où? Il est où le récepteur? Oula. Il est pas là. Je vois pas. Un récepteur, il est où? Ah là. C'est de la pure méchanceté. C'est bon. Je l'ai en visuel. Ça passe, ça passe, ça passe. À l'aise. Allez. On s'arrache. Ah, il y a des tireurs ici. Où est-ce qu'on va? J'ai l'impression que on me dit d'aller là-bas. Attendez, on va drifter. Ok, regrouper. Je suis à fond là. Ouais. Oh là, ça y est. On bombarde. Rejoignez-moi au bord du poste d'écoute. J'y suis. On se met en attaque. Ok, 5. Ils sont où? Système thermique. Faut que je mette en mouvement. Ah, suivre. J'avais pas vu. On y va, on y va, on y va. Go, 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 go. On bombarde, allez. Où est-ce qu'on va? Les systèmes thermiques sont situés dans la tranchée qui fait le tour de la station. Ok. Où ça? Dis-moi. Allez dans la tranchée, détruisez-les. Quelle tranchée? C'est quoi? C'est tout ce qui est rouge là? Où est-ce que t'es passé? Il est où le... Il est où le symbole? Là. L'ennemi ne lâche rien. Bah oui, mais bon. Dans la tranchée, je sais pas ce que c'est la tranchée, je vois pas où tu vas. Bombardement de précision. Les bombes à protons sont parfaites contre les cibles renforcées comme ces régulateurs thermiques.
Les bombes sont larguées sous votre vaisseau, donc vous devez vous placer au-dessus de la cible. Inclinez-vous pour que les régulateurs thermiques soient en dessous de vous. Ok. Attendez. C'est quoi que j'utilise? Ah! C'est ça ou... Je sais pas ce que je largue. Détruire. Alors c'est celui-là, c'est comme tout à l'heure. Ok, j'arrive avec du ravitaillement. Ok, ça doit être ça. Bon alors, attendez, on va faire demi-tour. Wow, qu'est-ce qui se passe? On se calme. Je peux pas me soigner là? Alors attendez, attendez, je suis où? Je sais pas où je suis parti. Je vais prendre un peu de distance. Alors, ok, la tranchée, c'est ça, elle est circulaire, d'accord, c'est compris. Donc ça doit être ça. Ah mais, attendez. Alors, est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas. Je vais retenter. Je comprends pas. Ça se passe mal. Ça y est, ça répare. Ah, attendez, je comprends pas quel... Je comprends pas quel outil je dois utiliser. Là, je tourne en rond pour rien. Peut-être qu'il faut que je ralentisse. Ils me suivent ? Bonne chance. Ça marche ou pas? Je sais pas si ça marche. Ouf. Là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Genre. Je comprends pas, j'ai l'impression de tirer à côté. Non, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est bien la bonne touche, en fait, j'étais pas sûr depuis le début. Allez, fonce, fonce, fonce. Ouais, c'est bon. Ah, il m'aurait fallu un petit feedback pour être sûr à chaque fois. Allez. On va passer à l'autre. Ah ouais, ouais, mais moi aussi, c'est pas terrible, hein. J'accélère. Là. Oui, c'est pas mal, j'ai encore de la vie. L'Empire vient d'ouvrir une énorme bouche d'aération sur le poste d'écoute. Où ça? Les systèmes thermiques doivent être en surcharge. Ils essaient de refroidir le noyau. Défendre la corvette, elle est où? J'ai une idée. Voilà encore des chasseurs impériaux. Oh punaise, vite. Pourquoi vous ne protégez pas la corvette? Bougez-vous. J'essaye, on est où là? Passez par la bouche et explosez le noyau. Elle est où? Elle est où la corvette? Se regrouper. Non, on a perdu la corvette. Ah, on a perdu la corvette, zut. Ok, 5, allez-y, restez sur vos gardes. C'est où? Il faut prendre votre courage à deux mains, 5. C'est quoi? Quand on atteindra le cœur. Ah oui, d'accord. Où ça? Où ça? Je sais pas où on va. Là. Oh la vache. Oh la vache. Vite. Oh non! Ah, j'avais pas compris. On parle de larguer. Ah, ben mince, on me fait repartir là. Bon, tant mieux. Vite, vite, vite. Ah, ouais, ça chauffe là. Je suis à fond. Ah! Ça passe. Ouf!
l'espace. C'est où? J'adore regarder brûler des trucs de l'Empire. C'est où? C'est où? Par où on repart? Ah bah c'était droit devant moi, d'accord. Bon, c'était pas si difficile comme mission, mais des fois c'est dur de comprendre. Là, dans le cœur, j'avais pas compris. Larguez vos bombes, non, quelques tirs suffisent. Au travail, escadron Vanguard. Le piège est en place. Rentrez. Il est temps de passer à l'étape suivante. Et les bombes, c'est bien RB. Faut que je retienne ça. Enfin, si j'ai une autre mission avec celui-là. Leur poste d'écoute ayant été détruit, la recherche impériale des chantiers navals de Nadiri est au point mort. Tarisa Kirill sera encore plus encline à croire au message de Lyndon James. Il faut l'arrêter pour de bon. Ouais. Oh, il est imposant quand même, hein, le B-Wing. Tout ce que je dis, c'est qu'au lieu de détruire ce poste d'écoute, on aurait dû le réquisitionner. Imaginez comment nous aurions pu nous amuser avec les impériaux. Ou les crédits qu'on aurait pu se faire. En tant que chef d'équipe, on va dire que je n'ai rien entendu. Allez, Kenny, vous me dites que la Nouvelle République n'aurait pas pu utiliser plus de renseignements, et vous savez que la guerre coûte cher. En fait, c'est vrai. Une fois qu'on vole un destroyer stellaire, tout ce qui est impérial devient tentant. Vous savez, on était des rebelles. On devient une république légitime et subitement, on doit tous filer droit. Le commandant prépare un piège pour Tarisa Kirill. C'est pas suffisant comme du prix pour vous? À l'époque, je l'aurais piégé contre n'importe quoi. Mais bon, ça devrait marcher. Quand il a raison, il a raison. Bon, ouais. Et si on se mettait au travail? Je ne demande que ça. Je n'aime pas être à terre. Vous entendez? Oui. Bon. Tout d'abord, félicitations. Comme vous avez capturé le destroyer stellaire Victorum, notre prototype de Starhawk a été terminé plus tôt que prévu. Mais l'Empire ne le sait pas. Il le croit toujours en construction. Tarisa Kirill continuera sa traque du projet Starhawk jusqu'à ce qu'il soit détruit. Notre mission est de l'arrêter. Donc, avec mon faux message, nous allons préparer une embuscade. Les faux renseignements indiquaient que vous protégiez une cargaison de cristaux de magnite, essentielle à l'achèvement du Starhawk. Avec cela, nous attirerons Tarisa et l'Overseer loin dans l'abysse de Zavian, une zone très instable de l'espace. Nous tendrons notre piège ici. Ne vous inquiétez pas pour le convoi. Il est vide et piloté par un droïde. Cependant, cela veut dire que nous devons libérer sa voie de tout obstacle. Vanguard, je veux que vous protégiez ce convoi avec tout ce que vous avez. Il faut que ce soit réaliste. Votre destination est ce goulot d'étranglement. Là, le Starhawk attendra pour désactiver l'Overseer. Et avec un peu de chance, capturer Tarisa. Ça a l'air simple, mais rien ne l'est dans l'abysse de Zavian. Attendez-vous au pire. Mais non, ça n'a pas l'air simple. Ça a l'air ardo. Il me donne raison. Ce plan pourrait nous débarrasser de Tarisa Kirill. Le plus vite sera le mieux, si vous voulez mon avis. Lyndon s'est convaincu de nous avoir mis en danger. Il ne pensera pas à l'objectif final tant que Tarisa sera là. Le commandant est intelligent, mais on a tous quelqu'un qui nous fait perdre la tête. T'as vraiment des pieds normaux, toi ? On pourra avoir celle de Tarisa aussi. On va offrir à Tarisa un convoi inoffensif à suivre, jouer le jeu et voir jusqu'où on pourra l'emmener. Il suffit de bien préparer son coup. Quand l'Empire occupait Mon Cala, j'ai appris à tromper les impériaux. Si vous avez l'air inoffensif, les gens vous sous-estiment. J'ai passé beaucoup de temps autour des impériaux à jouer à l'étranger stupide, un barman, un balayeur. Des gens tranquilles. Le lendemain, la rébellion savait tout ce que j'avais entendu. C'était pas facile, mais j'ai appris à rester patient et à attendre les occasions.
Rappelez-vous, l'abysse de Zavian n'est pas un endroit pour les âmes sensibles. Et Terissa a ses propres trucs. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, d'accord ? Les dialogues, ils sont quand même... pas très intéressants, les dialogues hors mission. Et l'équipage du Starhawk ? Il est prêt à en découdre. Je l'ai sélectionné personnellement en fonction de son expertise et de son expérience. Ils se sont entraînés pendant des mois. Très bien. J'apprécie votre aide, Général. C'est un bon plan, Lyndon. Mais faites attention. Je sais que vous avez un précédent avec la capitaine de l'Overseer. Ne le laissez pas brouiller votre jugement. Un instant, Général. Pardon, je ne peux pas parler pour le moment. Votre escadron attend. Oui. Ah, Frisk. Alors comme ça, le patron veut faire le coup du leurre à Terissa. Je déteins sur lui, on dirait. La clé d'une bonne embrouille, c'est évidemment de bien la préparer et plonger dans l'abysse de sa vie. Soit c'est de la naïveté, soit vous pensez que le risque en vaut la peine. C'est un peu comme interrompre la construction d'un Starhawk. Terissa Kerrill se risque dans l'abysse, juste pour détruire des cristaux de magnite. Une belle surprise l'attend. J'ai hâte de voir notre Starhawk s'attaquer au vaisseau de Terissa. Tous ces ingénieurs ont travaillé dur pour le terminer. C'est encore une bonne nouvelle pour la Nouvelle République. Nous combattons enfin dans la même catégorie que l'Empire. Dans tous les cas, il va y avoir du spectacle. Ouais, c'est vraiment pour... Ah voilà, lui il a des pieds... Enfin, il a pas de bottes, quoi. Ils ont tous des bottes. Ah! Vous pouvez choisir bon. Votre chasseur pour cette mission. Attendez, c'est pas ça que je veux faire. Grace. J'ai entendu des histoires sur l'abysse de Zavian. On dit qu'il a englouti des flottes entières sans laisser de traces. Y envoyer notre Starhawk me semble un pari risqué. Le commandant Javes doit avoir une confiance aveugle en ses constructeurs. Et en nous, bien sûr. En fin de compte, ce sera grâce à nous si la ruse fonctionne. Je me suis permis d'étudier les plans du Starhawk. Ce n'est pas un vaisseau amiral comme les autres. C'est une défense contre les flottes impériales. Chaque centimètre carré est équipé de lasers et de munitions. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce rayon tracteur. Si j'en crois les plans, le rayon tracteur du Starhawk est 10 fois plus puissant que celui d'un destroyer stellaire. C'est incroyable. Les cristaux de magnite utilisés dans le rayon tracteur du Starhawk sont assez rares. Ils ont dû en récupérer quelques-uns sur le destroyer stellaire qu'on a capturé. Ma famille a dépensé un montant exorbitant de crédit pour obtenir des cristaux de magnite. C'est gratifiant de les voir utilisés pour la bonne cause. Mettons notre Starhawk à l'épreuve. D'accord ? Le Starhawk, projet quand même, je pense, relativement secret, mais les plans sont disponibles à une simple pilote. C'est quand même curieux. Ah, je voulais quelque chose de personnalisé. Ah, on choisit le vaisseau. On choisit le vaisseau. Et qu'est-ce qu'on doit prendre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, je sais pas du tout, là. Vous savez quoi? Je vais reprendre le X-Wing. Je suis nostalgique du cockpit. Ah, par contre, faites voir les cadences de tir. Tir en rafale, vitesse auto. Charger l'arme courte portée. Ah, on peut charger l'arme. Bon, ils ont tous la même portée. C'est quoi ça? Subissez beaucoup moins de dégâts à l'avant pendant un certain temps. Roquette de barrage, torpille à proton. Ah, on peut pas tirer de trop près. Suivi de tête chercheuse faible. Non, allez, je vais garder d'origine. Et là, il n'y a rien à faire. Hein. Je sens que c'est ce qu'il y a d'origine hein, qui fait tout là.
Ah ouais. Ça y est, le X-Wing. Je n'exagérais pas quant au danger de la piste de Zavian. Ah, ça fait plaisir. Regardez cet éclair. On nous a prévenu que Terissa Kirill avait mordu à l'hameçon. Son vaisseau l'Overseer approche. Bonne chance, Vanguard. Protégez ce qu'on voit. Et on se retrouve de l'autre côté. Ok. Vous le sentez, vous aussi? Le chaos qui nous cerne. On n'est pas à notre place ici. J'en ai des sueurs froides. Mais qu'est-ce qui se passera une fois que le Starhawk aura neutralisé l'Overseer? Pareil qu'avec le Victorum, j'imagine. Abordage, verrouillage des systèmes et capture de l'équipage. Je ne sais pas, Chris. Je ne vois pas Terissa Kirill céder sans résister. Je déteste ces nuages. Qui sait ce qui nous attend là-bas? On sait ce qui nous attend, un destroyer stellaire avec une capitaine qui veut nous faire disparaître. Merci de votre aide, Kenny, merci. C'est normal, ces trucs qui se déplacent à cette vitesse. Le pilotage automatique du convoi n'est pas capable de zigzaguer entre ces astéroïdes. Alors dégageons-leur la voie. Oh là. Détruire. Attendez, regardez. Un destroyer stellaire. Ou plutôt, ce qu'il en reste. À mon avis, il est là depuis un bon moment. On pourrait croire que ça découragerait Terissa Kirill. Non. Pour quelqu'un comme elle, cette épave n'est pas un avertissement. C'est plutôt une insulte. Je les fais se déplacer là tous. Dépêchez-vous, Vanguard. Les vaisseaux impériaux sont sur les radars. Des éclaireurs. Parfait. Le plan du chef fonctionne. Cool. Place au spectacle. Faites-les tomber dans le pied. Parti. Allez, la chasse est ouverte. Ah ah! Attendez. Allez, on se met en attaque. Je vais voir. Voilà. Le premier que je chope, c'est toi. Ah, le missile, il t'a pas suivi. Vous croyez qu'ils savent qu'il n'y a pas de manip? On dirait qu'ils ont verrouillé une cible. Qu'est-ce qu'il y a? Ennemi neutralisé. Ennemi neutralisé. C'est bon. Voilà. Regardez où vous tirez. C'est bon. Ouf. C'est bon, c'est bon. On est où? On est où? Ah ouais. Revenir à la maison. Encore? Ils sont où? Là. Oh là. C'est bon. Ah. Non. Je suis leur cible. C'est bon. Toi. Yes. Ok, ou d'autres sur le radar. Là. Vous dites pas merci. Ah! Ça là. Allez. Faut que je revienne. Allez! Ah! C'est bon. On les a fait reculer. On continue. Ok.
coupe. Continuons. Le point d'embuscade est par là. Prêt? On y va. Moi, je suis prêt, hein. C'est parti. Voilà. Un destroyer stellaire impérial. Si on détruit pas les astéroïdes, l'Overseer rattrapera. Mais lesquels? Ok. C'est bon. J'en ai des sueurs froides. On reste concentré. Pourquoi je vois? Pourquoi je vois de l'ennemi là? Ah oui, d'accord! Oh putain! J'ai pas compris, il ressort sur le radar évidemment. Je suis où là? Envoyez les chasseurs! D'autres chasseurs impériaux, regardez derrière! Derrière? Ok, on y va. Ah, j'ai pas visé le bon. C'est bon, allez. Ah, je te veux, toi. C'est pas vrai. Je vais pas te lâcher. C'est bon. Oh, je vais trop vite. Non. Missile contré. Allez les bombardiers. C'est votre pire cauchemar là. Pourquoi j'arrive pas à le choper? Il est où? Ah. Allez. Non, ah, il est toujours en approche l'autre. Ah la vache. Je vais t'avoir toi. Allez, change de cible. Je pars du principe que je l'ai eu. Punaise. Pas lui. Ah, je vois rien. Ah la vache, je vois rien. Il y en a trop, il y en a trop, je sais plus où donner de la tête. Là. J'ai besoin de temps. Occupez Terissa pendant qu'on charge le rayon tracteur. Mais pas de folie. Éliminer ces chasseurs apparents devrait être assez distrayant. Capitaine Kerry, à l'escadron Vanguard. Ok. Tout cela était inutile. Là. Vous êtes pris au piège. Et je n'ai pas l'habitude de faire des prisonniers. Lui, il est enfin. Voilà. Toi. Toi. Allez. Allez. Yes. Là-bas. Ouf. D'où il sort lui? Ah, je l'aurais pas, je l'aurais pas. Ouais, j'ai vu. C'est bon. Yes, merci pour le ravitaillement. Wow. Il est où? Ah, je vais t'avoir toi.
Ah non, toi. Non, non, je veux pas te lâcher. Toi, t'es pour moi. C'est bon. Ils sont où? Vache. Yes. Il est passé. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut avec l'overseer? Oh. Ils sont exactement où nous voulions qu'ils soient. Que le Starhawk marche. Il a pulvérisé l'Overseer comme un Lotra. Bien. Ces maudits impériaux vont nous le payer, et cher. On pourrait pas construire une étoile de la mort et en finir? Eh bien, Grace, je croyais qu'on était les gentils. Et puis on a gagné, non? Où qu'ils aient sauté, aucun vaisseau ne revient après ça. Espérons-le. Ouais, bah tiens, oh la vache, j'ai fait une parfaite. Mi-fig, mi-raisin. Eh, ça m'a réussi les X-Wing. Je suis plus à l'aise. Vous avez survécu à la bise de Zavian. Bon, ils en ont fait tout un plat, ils essaient d'amener une ambiance un peu horrifique, mais franchement, ça a pas marché, ça. On ne peut pas en dire autant du vaisseau de Terissa Kerry. La localisation de l'Overseer est inconnue, mais les dégâts qu'il a subis signifient que le projet Starhawk est en sécurité.